السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سالو. Aujourd'hui, dans la chaîne de Madame Halel, nous allons découvrir le manuel de français de la cinquième année primaire. Alors, restez avec moi. Cette année-là, c'est une année particulière parce qu'il y a un examen final de la cinquième année. Alors, bonne chance pour tous les élèves. Dans le programme de la cinquième année, il y a quatre projets. Projet 1, oiseau, la couleur orange. Projet 2, c'est un lieu exceptionnel, la couleur rose. Projet 3, qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle, la couleur verte. Et projet 4, protégeons la nature, la couleur bleue. C'est une petite révision pour les consignes. La première, écoute. Regardez, ça c'est l'impératif. C'est l'action d'écouter. Deuxième, vous avez regarde. Regarde. La troisième, écrit. Puis vous avez souligne. Lis. Et si vous avez des points d'interrogation, je ne comprends pas. On passe au projet 1, orange. Projet 1, oiseau. Il y a deux séquences. La première séquence, pauvre petite gazelle. Séquence 2, c'est un vrai fennec. À la fin du projet 1, ensemble, nous allons réaliser des posters d'animaux sauvages. Nous allons jeter un coup d'œil sur la première séquence. Pauvre petite gazelle. Dans cette séquence, nous allons décrire un animal. La première matière, c'est oral. Nous avons une figurine. Regarde le dessin. Dis où sont les élèves. Où sont les élèves? J'écoute et je réponds. Écoute le dialogue, puis réponds aux questions. Que font les élèves? Que font les élèves? Ce sont les élèves. Deuxième, comment s'appellent les animaux derrière les barreaux? Comment s'appellent les animaux derrière les barreaux? Troisième, comment sont-ils les animaux? Maintenant, regardez. Ici, nous avons « Écoute le dialogue ». Le dialogue. Écoutez le dialogue. Où est ce dialogue-là? Alors, le dialogue sur le manuel de l'élève se trouve à la fin du manuel, la page 102. Regardez, vous avez les séquences orange. La première séquence, pauvre petite gazelle. Et nous avons le dialogue. Alors, regardez, ce sont les dialogues de toutes les séquences des projets. Ils sont à la fin du livre. Si vous voyez, il y a les noms des élèves. Nous avons Youssef, Nariman, Yassine, Sofiane, Amira, le maître, Massinissa. Et voici le dialogue.
On écoute le dialogue maintes fois pour répondre à des questions de compréhension. Puis, l'élève doit s'exprimer. Il doit nommer ces animaux-là, l'éléphant, le lion, la girafe, le zèbre. Et regarder chaque animal, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique. On passe à la séance vocabulaire. Dans cette séance, nous allons voir les adjectifs cardinaux, c'est-à-dire les chiffres, bien les nombres. 1, 2, 3, etc. Ce sont des adjectifs cardinaux. Dans cette page, je lis et je comprends, c'est la lecture. Nous avons un texte qui parle de la gazelle. Puis, il y a quelques questions de compréhension. Et ici, nous avons les différentes parties de la gazelle. On tourne la page. Cette page-là, c'est la page de la grammaire. Il y a une petite faute ici. Alors, ce n'est pas la conjugaison, c'est la grammaire. C'est la grammaire. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la phrase et les éléments de la phrase simple. C'est déjà fait en quatrième année. Nous avons le sujet, peut être un nom propre, un déterminant et un nom ou bien un pronom personnel. Nous avons ici le verbe, c'est le deuxième élément. Et nous avons le complément d'objet direct. Alors, cette grammaire ici parle de la phrase, que ce soit la phrase affirmative ou bien la phrase négative. On tourne la page. Ici, nous avons conjugaison. Alors, je conjugue. Ici, nous allons voir la conjugaison des verbes pronominaux. J'ai fait une leçon et je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Le lien de cette leçon de conjugaison. Nous avons le verbe s'appeler et le verbe se reposer. Ce sont des verbes pronominaux. Et ici, je retiens, nous avons le pronom personnel et le pronom du verbe qui lui correspond. Et ici, un petit exercice pour voir la bonne acquisition de la conjugaison des verbes pronominaux. Pour l'orthographe, je manipule les mots. Nous avons ici le masculin et le féminin. Un voisin, une voisine. J'ajoute le E. Et parfois, lorsque le E est au masculin, comme ça, comme un vétérinaire, on dit une vétérinaire, ça ne change pas. Nous avons aussi les adjectifs. Alors, on va mettre dans la tête que les couleurs sont des adjectifs qualificatifs. Donc, le féminin, par exemple, noir, masculin, noir avec E, le féminin. Rose reste rose au féminin parce qu'il y a déjà un E. Marron ne change pas. Vert, verte. Bleu, bleu avec E. Gris, grise avec E. Blanc, blanche. CHE. Noir, noir avec E. Rouge reste tel qu'il est avec E. Et jaune aussi ne change pas. Ici, nous avons un petit texte juste pour consolider les couleurs. Les élèves trouvent le flamant rose et l'ours brun.
Le perroquet a une tête verte. Et ici, regardez, complète par l'adjectif de couleur. Une feuille blanche. Blanche. Une fleur rouge. Une feuille verte. Un pantalon blanc. Masculin. Un stylo vert. Un cartable rouge. Ne change pas. Ici, regardez un petit exercice. Avec ton camarade, décris les couleurs de ton animal préféré. Ah, ici, l'élève doit décrire un animal, son animal préféré. Votez pour la meilleure description. Pour la deuxième partie de l'orthographe, toujours, nous avons les accents. Alors, nous avons l'accent aigu, l'accent circonflexe, que ce soit sur le O, bien sûr, le E, et l'accent grave. Juste pour que l'élève puisse différencier entre les accents. Par exemple, la panthère rose. Alors ici, on emploie l'accent grave. Le réveil, accent aigu. La fenêtre, E, avec accent circonflexe. Un hôpital, O, avec un accent circonflexe. Et la deuxième partie de l'orthographe, toujours, c'est la dictée. Alors, comment procéder cette séance? Premièrement, on écrit ce petit texte tel qu'il est sur le tableau. L'élève lit le texte, puis on lui donne un peu de temps pour mémoriser les mots, puis on efface le texte et on dicte le texte mot par mot. Je m'entraîne. Ici, nous avons un petit poème, bien comptine. Qui suis-je? C'est une devinette. Qui suis-je? Je vis dans le grand désert. Je porte des tentes très grosses sur mes deux bosses. Sur le sable du désert, je transporte des habits et du riz. Léger et rapide, je suis le. Qui est l'animal qui correspond à l'image? Un chien, un chameau ou bien un chat? Ça, c'est l'image. Qu'est-ce que c'est? C'est le chameau parce qu'il vit dans le désert. Il a deux bosses. Il transporte des habits et du riz. Vous pouvez regarder, recopie le poème dans ton cahier, puis souligne les verbes en vert et les compléments d'objet direct en rouge pour réviser la grammaire. Vous pouvez regarder, ça qu'est-ce que c'est? Décris cette gazelle bizarre, puis présente-la à tes camarades. Nous avons la gazelle en couleurs, différentes couleurs. N'oublie pas de lui donner un joli prénom. Alors, regardez, une patte. Chaque patte a une couleur. Une patte rouge, une patte verte, etc. Une queue. Des cornes. Des oreilles. Un museau, un poitrail, des yeux, un ventre et un front. Regarde l'image, puis écris vrai ou faux. Corrige ce qui est faux
pour décrire un animal. Ici, on va écrire vrai ou faux pour cet animal. Alors, c'est un lézard du désert. Ça, c'est un lézard. Il a deux cornes. Regardez. Est-ce qu'il a des cornes? Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Faux. Il a quatre pattes fines. Quatre pattes, mais est-ce qu'elles sont fines? Il est brun. Oui. Il a une petite queue. Regardez. Il vit dans le désert. C'est un lézard du désert. À partir de la photo d'un animal de ton choix, écris un texte pour le décrire, puis présente-le à tes camarades. Toujours la description d'un animal. On est arrivé à la fin de la séquence. Nous écrivons des devinettes pour décrire un animal. En petit groupe, choisissez un animal qui vit dans le désert. Voici une liste. Alors, regardez, un dromadaire. Le lézard. Un serpent. Un scorpion. Cherchez les informations sur l'animal choisi. Vous pouvez utiliser le dictionnaire. Alors, l'élève peut utiliser le dictionnaire. Alors, c'est un travail de groupe. La liste des animaux et chaque groupe essaie de décrire l'animal choisi. Puis, nous avons deuxième activité. En petit groupe toujours, écris une fiche devinette avec des indices pour décrire l'animal choisi, c'est-à-dire son livre. Par exemple, ici un exemple, l'image de l'animal. Elle est un animal rapide. Elle est délicate. Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. Elle a des cornes et des pattes fines. C'est la gazelle du désert. Et trois, jouez aux devinettes avec vos camarades. C'est un jeu. Regardez, trois élèves. Alors ici, la devinette pour cet animal. L'animal, il est caché. Il est un animal. Il chasse les animaux. Il a quatre pattes avec des griffes. Il a des rayures noires sur le dos. C'est le tigre. Votez pour choisir la meilleure devinette. Vous la présenterez à la fête de la fin du trimestre. Et comme ça, on arrive à terminer la première séquence. Ici, nous avons la deuxième séquence du projet 1, les mêmes matières. Et comme ça, on arrive à terminer la première séquence du projet 1. Projet 2, à couleur rose. C'est un lieu exceptionnel. Il y a deux séquences. La première séquence, nous allons au musée. La deuxième séquence, dans le train. À la fin du projet 2, ensemble, nous allons organiser une visite d'un lieu exceptionnel. Puis, nous le présenterons à nos camarades. Projet 3, la couleur verte. Qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle? La première séquence, quand je serai grand. La deuxième séquence, que devons-nous faire? À la fin du projet 3, ensemble, nous allons réaliser un panneau de photos et de textes pour expliquer comment agir face à une catastrophe naturelle. Projet 4, la couleur bleue, protégeons la nature. La première séquence, pourquoi notre terre est-elle en danger? Deuxième séquence, ne gaspillons pas l'eau.
À la fin du projet 4, ensemble, nous allons fabriquer une affiche sous la forme de conseil pour protéger la nature. Et voilà, c'était une petite visite pour le manuel de français de la cinquième année. J'espère que vous avez pris une idée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.